nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est de retour sur le canal du Rhône. Normalement, on est venu pêcher le canal. Je sais pas si c'est la meilleure des idées qu'on ait eu parce que il y a un sacré débit. Même en bordure avec des pompes 180, ça tient à peine. Mais bon, c'est sacrément beau. En plus, ils ont pris des orages, ça va faire du bien parce qu'il fait 35 là. Ça va rafraîchir un peu. Espérons que ça mette un peu des poissons en appétit. Espérons aussi que ça augmente pas encore plus le débit et que ça ramène pas quelques débris en plus. On va voir ça là, je pose juste derrière les herbiers, je suis avec Nika. Je vais amorcer à l'arrêt des crevisses et je pêche à l'arrêt des crevisses aussi. Je vais amorcer avec de la farine un peu pour changer, pour essayer de faire venir un peu plus de fiches que d'habitude. En espérant qu'on n'enchaîne pas les barbeaux et les chubs parce qu'ici ils sont vraiment costauds. Allez, c'est parti. Après une décroche pour Mika sur un glane à la crabe foie, et ben number two, un glane. Comme c'est bizarre, dès qu'on met un peu de farine, de toute façon les glanes ils sortent. On voit bien, hein? T'es parti ou quoi? Ah, c'est beau! Oh le mec! Ah, il est beau! Il est beau! On dort, Mika, oh. Là. Oh le chantier, vie. Petit montage. Du coup c'était pas une pop-up, j'ai dit des conneries. Là j'ai mis un arrêt d'écrevisse avec une bille équilibrée, ce qui a beaucoup de courant. Avec une pop-up, je pense que ce serait un petit peu trop équilibré. C'est à cause que la bille elle fasse des va-et-vient, ça sert à rien. À part pour les glanes vu que c'est des carnassiers. Hop, une petite pelote. Une petite pelote d'un kilo seulement. C'est cher. Voilà, une bonne petite pelote. On repose ça. Et bon, s'il faut faire du glane, on fera du glane. Au moins, ça nous occupe. Ça fait du fish. Et après un bon mois sans pêche, même du glane, ça fait plaisir. Allez, c'est reparti. Voilà, 2 heures plus tard, 2 heures du matin. C'est un combat celui-là. Il a kiffé la farine. Hein. On en a foutu partout. Il a même le plomb dans la gueule et tout quand je l'ai sorti. Pas bien long encore, mais sacrément lourd. Ah, ils sont là les types. Hein. Il n'y a pas photo. Celui-là, il a vraiment kiffé la farine, cet enfoiré. Un sacré tout faire. Enfin, ça claque encore derrière là. En plus, ça, il y a un débit de fada. Là, ça envoie vraiment la purée là. Ils prennent le courant, ces salopios. Voilà. Deuxième petit pépère. Toujours sur la même canne avec un wafter et une raie d'écrevisse. Du coup ça équilibre tout juste avec le débit, c'est parfait. Pas trop équilibré. Et hop, on va le remettre à l'eau. Reposer la canne. Et
Et en espérant que ce coup-ci ce soit une carpe, mais bon. Vu ce que je viens d'entendre derrière, à mon avis, on peut s'attendre à refaire un glan dans peu de temps. Allez, zou. Voilà, une demi-heure plus tard, un nouveau pépère. Il est sacrément gracieux encore. Vous avez oublié l'inconvénient des silures, c'est que quand ils arrivent au bord, il faut faire gaffe à la canne. Et voilà, Fox Torque en moins, casser le sillon comme un âne, un mauvais angle. Je suis dégoûté. Des putains de grâce, salopio. Un beau pépère. Et là, en même temps, là, j'ai un autre départ sur la canne. Mika, il est parti là, combattre. Ah putain, je suis vert, bordel. Pour un glan, quoi. Mais bon, c'est ma faute. Mauvais angle, j'avais complètement zappé ça. Voilà. Du coup, je crois que je vais rentrer à la maison, chercher une autre. Voilà. Bon, on va aller s'occuper de l'autre touche. Remettre ce petit père à l'eau. Il est gras, hein, salopio. Pas énorme, pas très long, mais. Allez, zoom. Voilà la canne qu'aura rapporté deux silures. Enfin, une carpounette. Une jolie commune. Hein. Toujours sur la bille équilibrée et l'arrêt des crevisses. Voilà, au milieu des glanes, il y a souvent des belles communes. Et voilà, je laisse à départ et voilà. Et voilà, c'est comme ça. Quand t'es poissard. Un beau poissonné. Tu vois, t'as bien fait de te lever. Hein. Grave. Allez, toi, va te recoucher, salaud. Bon, voilà, du coup, petit aller-retour au garage. Heureusement, j'habite pas bien loin. Je suis allé chercher une autre canne, vu que il y avait une qui a rendu l'âme. J'ai refait un petit montage avec une bille danse, un wafter en raie d'écrevisse. Et j'ai fait aussi un petit montage bille danse avec une Scopex Milk en wafter. On va voir ce que ça donne. Là, je vais tout réamorcer. J'ai remis du baby corn, de la farine, quelques bouillettes. Tout refaire propre. Il est 4h d'ailleurs. Tout refaire propre pour le lever du jour. Ou pour les heures qui vont venir d'ailleurs. Boire un petit café quand même. Avant d'aller se coucher, histoire de ne pas réussir à dormir. Et voilà, la vie est belle. Du coup, il me reste plus qu'une torque. Deux torques. Et j'ai cassé ma torque, c'est trop triste. Celui-là, il m'aura fait un combat de dieu, bordel. Il est remonté tout le courant malgré le débit de Fada. Là, il y a une espèce de tête. Quand même. Putain, j'avais réussi à m'endormir enfin. Pas longtemps. Purée, ils les aiment les raies d'écrevisses, hein. Bordel de dieu. Sacré pépère, hein. T'as ton portable sur toi, gros, quoi. Non. Dommage. Non. Je vais chercher. Si tu veux,
j'ai pas vu un aussi beau glane. Super. C'est l'argent. Ah, il est costaud, ça. C'est 6h du mat. Du coup, j'aurais même pas dormi 2 heures. 4 glanes pour l'instant. Et seul carpe que j'aurais touché, c'est Mika qui l'aura prise. Je perds pas espoir, espérons qu'il reste quand même une carpe dans le coin. Après, je pense déjà en enlevant un gros poisson comme ça sur le coup, ça va peut-être faire entrer de la carpiote. J'espère vraiment, parce que bon, c'est beaucoup de travail pour beaucoup de silures là-bas. Franchement, j'aime bien les silures, mais au bout d'un moment, on est quand même venu pour les carpes. Ouais, je vais aller dormir encore une heure. Oh bordel! En espérant être réveillé par une carpe ce coup-ci. Et du coup, pour le coup, je veux bien une miroir. J'en demande pas trop. Allez, zou! Et hop. Encore un glam, j'ai l'impression. Ce serait pas mal. Ah, il y a pas mal là. Voilà. On va sûrement finir avec le plus petit, quoi. Ah, si on pouvait finir avec une carpe, ça aurait quand même été bien mieux. Les petits salopios. Ça m'arrive rarement qu'ils prennent une zone comme ça, même sur le Rhône. Le bordel, là, c'est le sixième. Et c'est le plus petit. Après son petit collègue d'hier, le dernier, là, qui devait faire 70 kilos au moins. Il en aurait fait qu'une bouchée du type. Allez, on le remet à l'eau, la bestiole. Casse les bras, ces bestioles.
Bon ben, je verrai pas une carpe cette fois-ci. Non, c'est impressionnant, j'avais jamais vécu ça sur le Rhône, qui monopolise la zone comme ça. Bon après, de la farine et du carnet en été, dans les eaux chaudes. Hein. Habituellement, je pêche à la Scopex. Mais là, je n'en ai plus. L'arrêt d'écrevisse, il kiffe ça en tout cas. Bon, je vais quand même la reposer le temps de ranger le bivy et compagnie. Espérons qu'il y ait une carpe qui passe, mais bon, franchement, entre nous, j'y crois pas du tout. Allez, zouf. Bon voilà, il est temps de remballer après cette nuit sacrément mouvementée. Malheureusement, j'aurais pas eu le droit à ma carte. Si seulement Mika s'était pas levé, j'y aurais le droit. Ben, les silures, ils m'ont bien fracassé les mains en tout cas. Je vais vite aller nettoyer tout ça parce que c'est pas terrible. Ça m'aurait aussi coûté une canne, mais bon, après c'est le jeu. Hein. J'aurais moins tiré comme un flanc et j'aurais pas fait un angle comme ça, ben, ça aurait jamais pété. Tant pis pour moi. En tout cas, je me suis quand même bien régalé. J'aurais dormi 2 heures. Je suis fracassé. En plus, j'ai oublié mon réchaud pour boire le café. Du coup, c'est un peu pour ça aussi que je rentre. Boire un bon café, là, prendre une douche et aller se recoucher. Ça va être sympathique. Voilà, je pense que la prochaine fois, on ira se faire un poste où je sais qu'il y a une plus grosse population de carpes. Parce qu'ici, ça fait 3 fois qu'on vient. Et c'est la 3e fois que je fais pas une seule carpe. Première fois j'avais touché 2 poissons, j'avais perdu les 2 parce qu'il y a tellement de merde dans l'eau. Mika il avait fait un poisson, la 2e fois c'est GG qui en avait fait une, à chaque fois des petits poissons en plus. Il n'y a que là la commune de cette nuit qui était plutôt mignonne. Malheureusement c'est le seul départ que j'ai laissé à Mika. Mais bon après c'est ça aussi, on pêche en équipe, on n'est pas. Sinon je viendrais pêcher tout seul hein, si je voudrais faire que des poissons pour ma gueule. Voilà. Bon ben sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Rhône, espérons. Allez, ciao.